Salut les accros, je me présente, je m'appelle Michel Arsenault, je suis propriétaire de Fumoir de Beauce. On va vous expliquer aujourd'hui, dans le fond, c'est quoi mes facettes de mon entreprise. On offre le service de dépeçage de gibier, de fumage de viande, on va parler de poisson et smoke meat dans le lorgnage chevreuil. Ensuite de ça, on a un service de traiteur Michoui. Dans le fond, moi, ce que j'ai commencé avec un petit fumoir sur ma galerie chez nous. Je te dirais un petit Bradley là, que tout le monde retrouve un petit peu ce Canac Marquis, Canadian Tire. Je faisais goûter mes produits. Puis là, le monde me poussait tout le temps à aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Ça fait qu'on. J'ai poussé. Je suis allé acheter un plus gros fumoir. Je me suis ramassé à construire un fumoir avec mon frère. Après ça, le monde voulait du dépassage de gibier. Je dis pourquoi pas commencer. On a commencé dans une. Comme si on veut, d'une roulotte, d'un trailer fermé qu'on est. Encore dedans aujourd'hui, mais plus pour longtemps. On espère que l'année prochaine, on va être dans un local. Ensuite de ça, nous, dans le fond, ce qu'on offre, on peut offrir, dans le fond, les tout inclus. La personne amène son gibier chez nous. On s'occupe du plumage. On s'occupe de l'entreposer. On peut offrir le service de vieillissement de 7 jours, 5 à 7 jours. Ensuite de ça, on a 42 sortes de saucisses. On a 16 sortes de marinade. Tout est emballé sous vide, bien sûr. On est nouvellement installé à Saint-Théophile, au 218, route du président canadien. On pourrait offrir à tous les membres des accros de la chasse et de la pêche un 10% de rabais pour ceux qui veulent venir chez nous cette année. Venir vivre l'expérience Fumoir de Beauce. On est très renommé comme c'est là. On n'a pas eu vraiment de mauvais commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous voir. Je suis, dans le fond, je suis boucher. Ça fait 14 ans d'expérience que j'ai. J'ai des petites attestations en cuisine. J'ai aussi suivi des cours pour le fumage de viande. On va en parler tantôt aussi dans les salaisons et tout ça pour la conservation des viandes, du poisson, de l'injectage, de saumurage à sec, saumure liquide. Ensuite de ça, on va parler aussi de comment apprêter votre viande lorsque vous tuez votre gibier à une température plus élevée que 10 degrés pour réussir à la conserver comme il faut. Les températures, les temps de cuisson. On va aussi parler des services de fondue qu'on offre. On offre de trancher la fondue. On offre beaucoup de choix. Bon, fait que Michel, on va parler un peu de ton fumoir. Oui. Ton fumoir, dans le fond, là, voyons qu'on emmène un gibier là, à faire fumer, là, combien de temps que ça prend à faire fumer un gibier? Il faut savoir qu'en partant, dans le fond, faire fumer de la viande, ça prend un minimum de 7 jours de salaison, dans le fond, de saumurage, qu'on peut appeler. On l'injecte, dans le fond, avec une saumure liquide pour la conservation et donner de la couleur aussi avec dans le fond, un agent de conservation qui va tenir ta viande encore rouge. Ensuite de ça, on va prendre environ entre 8 et 10 heures pour le fumer. Tout dépend de ce que vous prenez dedans, là, parce qu'on offre dans le fond les papérettes fumées, on offre du smoke meat fumé. Ensuite de ça, on offre du jerky fumé. Fait qu'il y a quand même une base de choix quand même intéressante. Puis quand tu fumes, tu peux fumer du chevreuil, tu peux fumer de l'ornial, tu peux fumer de la perdrix, de l'ours. Du bois petit, tu peux-tu fumer toutes les sortes de viande? Oui, effectivement, on est capable de toutes fumer les sortes de viande. On peut même fumer du poisson aussi. Je te dirais, la petite truite de rivière, c'est un petit peu plus dur, là, mais quand les gars qui vont à la pêche là, sur le lac Ontario ou ben même du doré, là, ça se fume très bien. C'est juste que le doré va être un petit peu plus salé parce que la chair, le sel rentre plus dedans. Ensuite de ça, c'est sûr que la salaison est un petit peu moins longue. T'sais, on parle de 3 heures de salaison pour un fumage à chaud. Puis les gibiers, disons qu'on t'emmène un gibier pour la faire fumer, y a-t-il une manière que nous autres, faut te l'amener? C'est quoi la partie ben, dans le fond, de même si vous ne venez pas chez nous, dans le fond, vous pouvez demander à votre boucher, hey, prépare-moi un morceau, dans le fond, pour un michoui. Seulement, préparer un morceau pour un michoui, moi, dans le fond, tu me l'amènes. Moi, j'ai juste à la retravailler un petit peu. Des fois, il a laissé un petit peu de gras, puis tout ça. Moi, je fais juste à rôter le gras. Puis ensuite de ça, c'est là qu'on procède à l'injectage, puis on dans le trempage d'une semaine. Puis dans le fumage, tu peux en mettre combien d'animaux, combien de morceaux dans le fond, puis là, dans ton fumoir? Bon, on est capable de mettre environ 200 morceaux dans le fumoir, là. Ça fait que, bon, on en fume pas mal à tous les semaines aussi, là. Okay, ben, une petite question, si tu dis que tu peux en mettre 200 morceaux,
Mais moi, si j'amène, disons, j'amène mon chevreuil, mais qu'est-ce qui va dire que c'est mon chevreuil? Disons qu'il y a un autre qui amène, je sais pas moi, une autre partie d'un chevreuil, il y a un autre qui amène une partie d'ours. Qu'est-ce qui va dire que c'est mon chevreuil? Très bonne question. Moi, j'ai un registre pour la retraçabilité de la viande. C'est des petits médaillons ici. Il y a un numéro dessus. Il est en dessous. Il ne peut pas brûler, il ne peut pas rien faire. Moi, ce que je fais, dans le fond, c'est je vais prendre ton morceau. Dès que tu arrives avec ton morceau, moi, j'attire ton nom dessus. Ensuite de ça, quand je le sors pour l'injectage, je prends ma corde à brider. Je le perce, je mets ma corde, j'attache ça. Avec mon registre, j'ai un numéro ici, c'est 52. Fait que moi, je pars, je prends mon registre, Cédric Lamontagne, 52. Okay. Ensuite de ça, je mets ça dans ce mur, mets ça au fumoir. En sortant, moi, ce que je fais, c'est je sors, j'ai mon médaillon, 52, ok, bon, mais je m'en vais dans le chose, dans mon registre, puis je pogne dans le fond, 52, c'est Cédric Lamontagne. On tranche la viande, on termine ça d'une boîte avec ton nom attitré dessus. Puis ça, c'est tout emballé sous vide, dans le fond? Tout est emballé sous vide. Ouais. Ça parlait de saumure tantôt. Oui. Utilises-tu la même pour le chevreuil, pour le poisson, pour l'orignal? Non. Pour le chevreuil, l'orignal, toutes les viandes rouges, c'est la même saumure. Même si on, dans le fond, c'est sûr et certain, si on fait du smoked meat, ça va être différent, là. Si on fait du jerky, ça va être encore différent. Mais si on parle que tout le monde veut du smoked meat, c'est la même saumure pour tout le monde. OK. C'est un taux d'injection de 20%. Après deux jours, on la ressort, on la réinjecte à 10%. On la refait tremper encore, puis jusqu'à 6 jours. Okay. Le poisson, c'est sûr et certain que c'est une salaison qu'on appelle à sec. On va mettre dans le fond un petit peu de sel. Ça, dans le fond, le sel fait déshydrater la chair du poisson, ce qui fait que dans le fond, tu as un agent de conservation naturel, si on veut, par le sel. Il faut faire attention, par exemple, parce que si on dépasse 3 heures quand on fait un fumage à chaud, ben l'effet contraire se fait. Le sel rentre dans la chair, c'est ce qui fait que dans le fond, ton poisson va être salé. On va prendre une caisse de bière. Qu'est-ce que tu utilises pour fumer justement là? Mettons, tu arrives dans le fumoir, là. Tu utilises du bois, du propane, du charbon. Très bonne question encore. On utilise dans le fond, le fumoir c'est 100% érable. On a une boîte à côté du fumoir. On met notre feu là-dedans, on attend qu'il soit bien pris. Ensuite de ça, on ferme la porte, ça l'étouffe le feu. Ce qui est dans le fond, la cheminée s'en va direct dans le fumoir, ça fait juste boucaner, puis j'ai un rond au propane qui va contrôler ma température. Moi, je le fume à 170 degrés pendant 6-7 heures. Là, ça dépend de la grosseur du morceau. Des fois, ça peut prendre 4 heures. Des fois, ça peut prendre 10 heures. Je dirais que tous les morceaux sont différents, là. Puis comme nous, on a fait la capsule ici dans le dedans, ben on aurait aimé ça faire la capsule proche du fumoir, mais vu qu'ils vendent beaucoup dehors et qu'ils mouillent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tantôt, on va aller vous filmer le fumoir pour vous le montrer. Parce que sinon, si on aurait fait ça dehors, vu qu'ils vendent beaucoup, on n'aurait pas compris Michel nous expliquer. Fait que là-dessus, on s'en va voir le fumoir. Parfait. Michel, vas-tu nous expliquer un peu ça se trouve avec quoi aujourd'hui? Ça, c'est un poêle à michoui. On offre le service de michoui partout dans la région de la Beauce. On peut aller jusqu'à Québec, ça dépend du client où il est situé. La cuisson se fait toujours sur place. On est capable de nourrir 400 personnes avec ça. On a plusieurs choix dans le fond de combinaisons de viande. On a porc jambon, on a porc bœuf jambon. On a la spécialité du cœur dans le fond, que c'est le fumoir qu'on va vous présenter un petit peu plus tard, qu'on fait des coques au porc fumé. On a des grilles ici. Nous, on fait cuire les patates direct sur place. On est capable de mettre 400 patates dans le poêle à michoui. Ça prend en moyenne 1 heure à cuire. Les viandes, ça prend environ 3 heures, 3 heures et demie à cuire. On marche avec du bois d'érable. Bon, je te dirais un 90% de bois d'érable et 10% de merisier. Le merisier, c'est juste pour retenir une braise plus constante, on peut dire ça. Hein. On offre, dans le fond, un tout inclus, là, service aux tables. Ça commence par une soupe comme entrée, patates, deux choix de salade. On offre souvent la salade de choux, salade César. Ensuite de ça, on a la sauce. On a 5 sortes de sauce. Pour les viandes, on a, je te dirais, en moyenne 16 sortes de marinade qu'on veut prendre pour la viande. Dans le fond, on offre la marinade. Ensuite de ça, il y a toujours le dessert qui vient avec ça. C'est
à peu près. Je t'ai pas parlé, ça me donne faim. Ouais. Mais l'autre petite question, quand tu te déplaces de même, c'est quoi les coûts dans le fond pour. Ben, il n'y a pas vraiment de coûts pour le déplacement. Ce que nous autres, dans le fond, on exige, c'est que dans le fond, qu'il y ait un minimum de 50 personnes. Si on a 50 personnes et plus, il n'y a pas de frais de déplacement. Mais si, mettons, vous êtes 25, vous voulez vraiment avoir la cuisson sur place, on va faire un frais de déplacement, mais de 50$ seulement, juste dans le fond, pour, ben dans le fond, c'est pour payer le gaz, toutes les affaires. Bon, fait que l'étape qu'on va aller, on va aller voir le fumoir. Michel, tu vas nous expliquer le fumoir, comment ça marche? Ouais. Bon, on s'en va en direction de là. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce que tu fais au juste ici dans l'intérieur, dans le fond? Ben dans le fond, ici, c'est ma salle de déco. On a une chambre froide en arrière, 5 par 8. Dans le fond, on y va journée par journée. On a une salle de vieillissement en arrière. On va faire vieillir notre viande 5 à 7 jours. Ensuite de ça, quand la viande est prête, on la transfère dans le fond notre journée. Dans le fond, pour ne pas avoir à tout le temps courir les portes, tout ça. Le soir, moi, je pars puis je vais mettre toutes mes viandes que je sais que je vais faire dans la journée dans la chambre froide en arrière. Ce qui fait que, dans le fond, on n'a pas de va-et-vient pour le dépeçage puis tout ça. Puis c'est plus salubre aussi, un petit peu. Mais avant tout ça, dans le fond, j'aimerais ça vous faire goûter du smoke meat. C'est le smoke meat que je fais, dans le fond, on peut le faire avec l'orignal, chevreuil, ours, de la dinde sauvage. Là, il est fait avec du bœuf parce qu'on fait beaucoup de traiteurs michoui et on a commencé à faire du smoke meat de bœuf. Ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Là, je pense qu'on a trouvé la recette parfaite. Ma blonde va venir vous porter ça. Je vais vous les présenter en même temps, Rosalie de Rouen. Bonjour. Dans le fond, ta blonde, elle fait avec toi, elle travaille dans ta boucherie, c'est avec toi, puis à la tête d'où ton service de traiteur. C'est ça, exactement. On a travaillé tout l'été ensemble dans Michoui. Ça n'a pas lâché depuis. Depuis mai. Ouais, c'est ça, depuis mai. Mmh. Mmh. Je voulais qu'on le fasse direct devant la caméra. Ils n'ont pas goûté avant, là. C'est vraiment bon. Mmh. Pas pire, hein? Mmh. C'est fumé, hein? Ouais. Mmh. C'est ça, le smoke meat est fumé aussi. Ça ne veut pas. Tu peux même en blanc. On va laisser le reste ici, puis les gars, tu vas voir, ils vont le manger tout le monde ensemble. Moi, mais les agros, ils vont vouloir vous goûter à ça. Hum. Continuez. Ouais. Après ça, et tout, on parlait de ta chambre froide. Tu peux mettre combien d'animaux tu sais, dans ta chambre froide? Ben, on va faire ma bouchée. On met 10 chevreuils par journée. On est 6 bouchers qui travaillent. On travaille à la chaîne, oui, mais on ne mélange pas les viandes. Puis si on pogne dans le fond un gibier qui est sale, nous autres, ce qu'on fait, on relave toutes nos tables. Fait que la salubrité, là, elle est vraiment là. Là c'est pas gênant. Là. Le monde arrive, là, les tables ne sont pas toutes crottées, rouges. Puis, si le chevreuil est vraiment sale, là, on sait tout qu'un tir à la carabine, ce que ça fait, c'est. S'il y a des poignées dans les rôles, excusez-moi, monsieur, là, mais. Ça m'a. Ouais, il va être, tu t'es caché. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour le montrer d'où. Oui, comme celle-là, c'est pas du gibier. C'est du porc qu'il y a dedans. Mais c'est, dans le fond, lundi matin, nous, on va commencer, puis on va. On va faire ça lundi matin, on a 4 porcs, on va faire ça dans l'avant-midi. C'est vraiment. De quoi c'est.
c'est vraiment très très beau l'installation. Puis après ça, je vois et tout que toute sa viande est emballée sous vide. Oui, toute ma viande est emballée sous vide. On a une étiquetteuse aussi. L'étiquetteuse, dans le fond, souvent on voit les bouchers qui vont juste mettre steak cornial, steak chevreuil. Ils ne séparent pas les pièces de viande. Nous autres ici, on sépare les pièces de viande. Si c'est de la surlonge que tu as, ça va être écrit surlonge sur ton paquet. Si c'est de la pointe de surlonge, ça va être de la pointe de surlonge. Si c'est un rose beef de pointe de surlonge, ça va être écrit rose beef de pointe de surlonge. Si c'est de l'intérieur de ronde, ça va être écrit intérieur de ronde. Il y en a beaucoup qui. Il y en a des bouchers qui le font. Là. Je ne dis pas que tous les bouchers le font pas. Là. Mais tu sais, c'est un plus dans le fond qu'on offre là, que toutes les coupes de viande soient écrites comme il faut dessus. Mon numéro de téléphone est toujours sur les paquets. S'il y a une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, il n'y a pas de problème. Je suis là pour répondre. Aussi, les gens qui regardent la vidéo, ben, vous pouvez l'appeler. Tout. On voit bien ici le numéro. Vous pouvez l'appeler. Fumeur de Beauce, Michel Arsenault. Et tout, j'aimerais ça t'expliquer un peu aux gens, aux membres. Là, quand on tue un ornial, là, de quoi de même, là, tantôt tu m'as parlé un peu de la manière de l'éviscérer qui était la bonne méthode. Pourrais-tu dire un peu aux accros, c'est quoi tu m'expliquais tantôt, la manière de baisser? C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de bonne méthode, mais ce que dans le fond, nous autres, on suggère, puis c'est pour aussi la salubrité, ça va être beaucoup moins dur si vous mettez, c'est sûr que tout le monde met le ornial ou le chevreuil sur le dos. Il y en a qui commencent par le cou, puis qui finissent par en descendant. Mais moi, je conseillerais dans le fond de commencer par l'anus. Ensuite de ça, vous venez à la fin dans le fond des fesses. Et là, vous êtes certain de ne pas passer à la panse. Vous faites juste une petite incision. Vous allez arriver tout de suite à de la viande. Aussitôt que vous avez arrivé à la viande, là, rentrez vos doigts puis mettez vos deux doigts en dessous. Si vous n'avez pas dans le fond d'évisseur, il y a des couteaux comme évisseur qui se vendent. Là. Ça, dans le fond, si vous n'avez pas ça, vous mettez vos deux doigts en dessous de la peau puis vous mettez votre lame de couteau entre vos deux doigts. Puis vous levez comme ça. Vous levez. C'est ça. Fait comme ça, dans le fond, vous ne faites pas passer votre pointe de vos doigts. Fait comme ça, vous êtes certain de ne pas percer la pince. Ce qui est, dans le fond, quand on perce la pince, ben souvent, c'est plate, mais ça sent. Puis c'est plus. La viande, elle se conserve moins. Là. Et comme tantôt, tout, moi, j'avais parlé à Michel, ben souvent, les gens, ils parlent du fameux poivre qu'on met dessus les ornières, ou sur les chevreuils, ou sur les ours, peu importe. Puis. Michel va vous dire un bon commentaire là-dessus, une technique que lui utilise. C'est ça. Moi, dans le fond, le poivre, j'ai jamais cru à ça. Tu vas aller dans ta cuisine chez vous, là, ta poivrière va être sur ta table. Là. Ta mouche, là, où est-ce qu'elle va être? Elle va sûrement tourner alentour, puis elle va s'accoter dessus, puis ça ne te dérangera pas. Là. Moi, ce que je suggère beaucoup, là, c'est des toiles blanches. On met ça tout le tour de l'ornial. On fait juste des petits feux. Des petits feux, là, qu'on met des épines de sapin. Ce qui, dans le fond, va procurer une boucane. Puis quand on va à pêche, là, qu'est-ce qu'on fait, les fumeurs, pour pas avoir de valeur à dire, là, mais pour pas avoir de mouches, on fume. Tu sais, la boucane, c'est dit, ça l'éloigne les mouches. Fait que juste un petit peu de broussaille en dessous d'une canne, dans le fond, de tomate, n'importe quoi. On met un petit peu là-dedans, puis on remplit ça, puis ça va boucaner, puis la boucane reste sous la bâche. Ça va protéger l'ornial, plus de chance aussi. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment l'ouvrir au complet, tout le sternum ici. On l'ouvre comme il faut, mais on va aussi ôter le gosier qu'on appelle. Ensuite de ça, on ôte la langue. Parce que les bactéries là, sont toutes dans le gosier et la langue. OK. Puis je voyais tout dans tout ton petit couvert, là. Dans le fond, toi, tu tranches le fondu ou tu fais la voie? On offre le service de tranchage de fondu. On est à 2,25 la livre pour trancher la fondue. Ce qui, dans le fond, c'est sûr que vous en recevez votre viande un petit peu plus tard parce que, dans le fond, il faut trancher la viande, il faut la faire geler pour réussir à la trancher. Et on offre, dans le fond, le service de tranchage de fondu. Puis qu'est-ce que j'aime bien ici? Parce qu'il y a certaines places, dans le fond, que c'est emballé dans un plat de styrofoam avec un emballage ben, de c'est, papier. C'est sous vide. Parce qu'une viande emballée sous vide, tu vas garder ta viande quoi? Un an, deux ans de plus? Oui. C'est juste important, dans le fond, de ne pas cogner les sacs ensemble. Parce qu'en cognant les sacs ensemble, des fois, il peut se fissurer un petit peu. Puis c'est là que, dans le fond, il va tomber qu'on appelle loose pack. Okay. Là, la viande va avoir envie de brûler un petit peu plus, mais tu sais, les sacs sont 3 mm d'épais. Ça fait que vraiment, là, il faut vraiment un bon coup, mais on suggère de faire attention pareil en plaçant votre viande dans le congélateur. Puis comme tantôt, tu n'avais pas une feuille que tu voulais nous montrer et tout que oui. Pour les. Dans le fond, moi, on offre le service de vieillissement de viande. Là, c'est sûr et certain que si vous m'arrivez, c'est votre chevreuil, ça fait 3 jours qu'il est abattu. Puis il y en a un autre, ça fait 5 jours qu'il est abattu. Ben, c'est sûr et certain, je vais passer lui que ça fait 5 jours qu'il est abattu. Moi, quand vous venez ici, là, moi j'ai une feuille dans le fond de découpe. Vous autres, dans le fond, c'est juste un aide-mémoire pour pas oublier des choses à vous offrir.
Fait qu'on a votre nom, votre adresse. Nous autres, dans le fond, on marche pas avec... on garde le papier de viande. Nous autres, on marche vraiment avec un numéro de tag ou bien le numéro de papier de viande. Ensuite de ça, on a la date d'abattage. Ça, dans le fond, c'est ce qui va nous dire quand est-ce que c'est prêt à être dépassé et tout ça. Ensuite de ça, on a le numéro de téléphone. Des fois, on arrive qu'on trouve, mettons, un morceau de flèche. Bien, sur la chose, on a une autre spécification. Fait que dans le fond, moi, pour être certain de ne pas oublier au client de dire hey, regarde, j'ai trouvé ça dans ton organe, j'ai trouvé ça. Il y avait des parasites, il y avait. T'sais. Fait que dans le fond, moi, quand j'ai fini de passer le gibier, je mets ça dans les spécifications. Il y a toute l'information qu'il y a besoin. Après. C'est ça, exactement. Toutes les informations sont là. Si le gibier, il n'y a rien, ben, il n'y aura rien dessus, là, puis tout va être correct. Mais tu sais, s'il y a, moi, normalement, une petite affaire, là, on n'est pas gêné, là, on le dit, là, parce qu'on ne veut pas que le client soit insatisfait. Là. Pourcentage de perte, tu m'en parles. Oui, il n'y a pas de problème. Le pourcentage de perte, ça dépend toujours du tir. Si le tir était fait, comme on parlait tantôt, avec une 300 ultra mag, un chevreuil à 100 pieds, puis qu'on dit pète les deux épaules, c'est sûr et certain qu'il va y avoir un gros pourcentage de perte. Mais si habituellement un chevreuil standard, là, on parle de 100-120 livres, là, ici dans la bosse, là, c'est rare, quand on tue 160 à 200 livres, là, ça commence à faire des gros bocs. Je te dirais que dans le fond, ton chevreuil paye 120 livres. D'autres, en partant la pose, qui pèse environ 20 livres. Tombe à 100 livres. Puis, il faut dire qu'on coupe pas de moitié, là, mais on coupe, dans le fond, de 30% facile. Ça fait que, attendez-vous pas de recevoir un gibier, dans le fond, de 100 livres en carcasse, qui va vous rester 70-80 livres. Même que vous ayez eu 65, ça va être le gros top. Puis ça, c'est si le tir est bien beau d'un coup. Puis, d'autres petites questions ou tout, que des fois les gens vont pouvoir se demander, c'est quoi les disons comme un chevreuil, c'est quoi ton prix pour emmener un chevreuil, pour le déplacer, emballer sous vide, tout ça? Un chevreuil, l'orignal, l'ours, peux-tu nous dire un peu les prix de bassin? Pas de problème. Un chevreuil, nous autres, on charge 100$ le chevreuil complet. Dans le fond, c'est sûr, c'est à part le plumage, cela, là. Mais dans le fond, nous autres, c'est 100$, mais on offre tout le mariné, des lanières, on offre vraiment toutes les coupes qu'on peut retrouver dans l'épicerie. On a du steak minute, on a beaucoup, là, vraiment, là, c'est... Le chevreuil, c'est ça, comme l'orignal, lui, c'est combien? L'orignal, lui, c'est 75 cents la livre. On est, je te dirais, pas vraiment plus cher que les autres, mais c'est juste, dans le fond, pour, dans le fond, la qualité du service qu'on offre. Parce que nous autres, on souvent, moi, je rappelle le monde, tu sais, regarde, tu mets tes coupes, tu sais, je m'intéresse aux clients, tu sais, c'est pas, moi, j'arrive, puis je fais ton orgueil, puis salut, bonsoir, t'es parti, là. Souvent, je vais rappeler le client, puis je vais demander s'ils sont satisfaits des coupes, surtout quand c'est des nouveaux clients, là. Moi, j'aime bien ça, qu'on sache si les clients sont satisfaits de notre ouvrage. Là, oui, t'aurais-tu d'autres questions, Non, ça va. J'espère les accros sur notre capsule avec M. Michel Arsenault de Fumoir de Beauce, que tout le monde a bien apprécié la capsule. Et je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Michel, d'avoir accueilli. Puis devinez c'est quoi qu'on va aller faire, nous autres. On va aller manger du bon smoothie. Salut les accros. Salut.